Et donc bonjour tout le monde, c'est Dada et on se retrouve pour la suite de quel jeu? Ah oui, Kirby Retour au Pays des Rêves. Voilà, j'avais oublié le nom du jeu, c'est malin ça. Et on se retrouve pour le stage 2 du monde 3, donc c'est cool. Voilà, on avance à grands pas de joie, hein, bien sûr. Bon, cette vidéo risque d'être un peu plus longue que les autres, hein, parce que oui, j'essaye de... Le truc en fait, c'est comme je filme... Parce que là, oui, en fait, j'ai fait plusieurs sessions pour filmer, là, j'ai arrêté la dernière. En gros, là, bah voilà, la dernière vidéo, je l'ai fait genre il y a quelques jours. Donc le truc c'est que celle-là quand je la fais, bah voilà, il y a quelques jours qui se sont passés. Et mon habitude en fait c'est de faire des vidéos longues quand j'ai pas joué au jeu depuis un moment. Mais j'ai remarqué qu'en fait dès que je faisais une vidéo longue à un jeu, le problème après c'est que je faisais des sessions courtes parce que j'arrivais pas à enchaîner beaucoup trop de sessions d'un coup qui étaient longues. Donc voilà, là la vidéo risque d'être un peu courte ou un peu longue, ça dépendra de mon goût, ça dépendra si je filmerai après ou pas. Voilà, voilà, vous êtes prévenus à ce niveau-là. Donc bah écoutez, on va essayer de trouver un pouvoir, voilà. Pile quand je le dis, j'en trouve un, c'est cool. Ah, on peut charger les pêchés, pas ça. Oh putain, c'est nouveau ça. Bien de piquer les techniques à Zelda, enfin à Link. Ah putain, c'est bien cette nouvelle technique là. Putain, mais donc ils lui ont filé plein de nouvelles techniques à Kirby là. Ils sont généreux chez Nintendo. Un peu de cheaté là, le nouveau Kirby. Enfin, bref, du coup, apparemment, il n'y a rien ici. Moi, je peux avoir mon épée sous l'eau, encore heureux, ça y est, regardez. Tel quel, évidemment. Kirby sans épée sous l'eau, ça n'est pas un Kirby. Hein. Hop, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Rien. Ah si, il y avait des étoiles, mais pour moi les étoiles c'est un peu considéré à rien. Considérable à rien, pardon. Parce que bon, je sais pas, c'est pas... Ah! J'ai que 7 vies. Dans la dernière vidéo, je n'avais plus que ça. Bah comme ça, vous pourrez voir quand je reboot la console. Hein. C'est à chaque fois que vous voyez que mes vies reviennent à 7, bah c'est que j'ai reboot... Putain, 7 vies quand même, c'est énorme 7 vies pour à chaque fois recommencer le jeu, quoi. Autant nous faire garder toutes nos vies, quoi. Je sais pas, c'est pas compliqué de foutre un petit... une petite sauvegarde du nombre de vies qu'on a. La preuve, ils l'ont fait dans Mario. Putain, la puissance du machin, c'est destructeur. Ils l'ont fait dans les Super Mario Bros. Wii. Pour rien. Allez, aval. Voilà. C'est bon, je récupère mon pouvoir épée. C'est ce que je voulais. Donc ici, il y a un petit peu une grande miséricorde. Ben, voilà, une grande miséricorde, ça ne veut rien dire. Une grande fourbée d'ennemis. Un peu relou. Ok, c'est bon, on peut y aller. Qu'est-ce que c'est que ça? De toute façon, l'ennemi, enfin, non, c'est un ennemi, c'est sûr. Voilà, technique cheatée. Maintenant que je sais ça, je vais pas, pas hésiter à en abuser. Oh là, oh là, fais gaffe, Kirby. Oh, allez, on s'en débarrasse. Voilà, et je peux aspirer celui-là. Voilà, je préfère quand même le pouvoir trancheur, vu qu'il peut faire à la fois du corps à corps et à la fois du distance. J'ai pas ce pouvoir, je l'aime bien. Un de mes pouvoirs préférés, hein, sans pour autant être mon préféré. Je sais pas. Ah, on va descendre chercher le boulon, tant qu'à faire. Hop. Il est sur notre chemin, donc bon, autant le prendre. Un peu con le poisson qui sort de l'eau quand même en haut. D'ailleurs, il ressemble beaucoup au chip-chip de Mario. Est-ce qu'on peut les toucher? Ouais, ok, ça nous fait des dégâts. Parce que dans Mario, les chip-chip, quand ils sont sur terre, justement, on peut les taper, ça nous... enfin, on peut les toucher au corps à corps, ça nous fera absolument rien. Bon, bah là, apparemment, on n'est pas non plus invincible à ça. Bon, c'est à savoir, on va dire, maintenant je le serai. En même temps, c'est un peu logique, dès qu'on est en contact avec un ennemi, il nous fait mal. Est-ce que c'était un pouvoir l'abeille? Je sais pas. On verra plus tard, hein. Je suppose qu'on en reverra des ennemis abeilles. Ça m'étonnerait que Nintendo se permette de faire un ennemi, c'est pour le voir un seul moment du jeu quand même. On parle de Nintendo, faut pas déconner. La machine à fric, elle y va. Hein. Dès que la réutilisation est possible, c'est parti, c'est la teuf. Qu'est-ce qu'il y a en bas? On va rien dire. Quoique, je sens bien qu'il y a un truc dans. Ouais, non, en fait, y'a rien. C'était bien la peine de se faire chier à venir. Voilà. J'aurais peut-être pu essayer de prendre la baille, mais je sais pas, j'ai pas envie de sacrifier mon pouvoir pour le moment. Oh, casse-toi le poisson, il est gay. Enfin, il est gay. Je sais même pas si. Non, je sais pas si on peut le catégoriser de garçon, Kirby, quoi. Est-ce qu'on peut le catégoriser de quelque chose d'ailleurs? C'est un peu la question. Ok, apparemment, il faut un certain pouvoir pour atteindre le. Le bouton, je ne sais pas vraiment lequel il nous faut là pour le coup, pour tout vous avouer. Peut-être qu'on le verra après ou peut-être que je l'ai raté, je sais pas, on va bien. Niveau vie, je suis un peu juste. Ah bah voilà ce qu'il nous faut, enfin je crois. De toute façon, ça ne fait rien de tester. Mais on va. Genre, on peut balancer des bombes sous l'eau. Ouais, non, on peut pas, ok. Moi, je ne sais pas ce qu'il nous faut, on verra plus tard. Ah! Putain, mais fuck, c'est quoi ce truc de merde? Bon bah, j'ai plus mon pouvoir, hein, dommage. Ah bon ben rentrons dans la porte. On a que ça de façon à faire. Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Oh, les bottes de Mario Bros 3. Putain, maintenant c'est des bottes cloutées en plus, hein. Je déconne pas. Donc je suppose qu'il faut se dépêcher parce qu'on va mettre les perles. J'ai envie d'appuyer sur le bouton. Attends, attendez, oh là, j'ai un coup de lag. Voilà, il est passé. Ah, c'est bon, ouais, on est no stress, on peut passer sur les pics tranquille. Et dans l'eau, est-ce qu'on peut y aller? Ouais, c'est bien ce que je pensais. J'avais envie d'essayer, c'est pas ma faute. Plus Kirby il peut voler, qu'est-ce qu'il se fait chier avec un avec une botte quoi. Je suis une botte kangourou. Allez, on y va lentement mais sûrement. Alors là attends, on va essayer de gérer. Voilà. Hop. Oh putain, le fail. Bon. Oh là, va nous lâcher, va nous lâcher. Donc c'est bon. C'était bien la peine de la prendre. Allez, sors de là, Kirby. Voilà, putain. Ouf, oula. Putain, elle me fait flipper cette botte de merde. Putain, tout ça pour une vie. Là, le pouvoir de l'eau. Bon, allez, fuck le pouvoir. Mais j'aurais pu venir en volant. Qu'est-ce que je me fais chier avec une botte? Oh, un truc secret. Casse-toi la botte. Ça me botte de venir avec une botte. Ah, un boulon, ça c'est tout bénef. Hop. Ah, Kirby a maintenant le pouvoir de sa grippe à l'œil, incroyable. Ok, ça sert à rien. Un peu à deux à l'heure quand même, Kirby. Non, oh là 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 là, putain, les poissons fourbes quoi, mon enculé qui m'attendent à la sortie d'un... J'allais dire la sortie d'un grippin quoi, qu'est-ce que je raconte? Un grippin. Mais qu'est-ce qu'on va brûler? Oh là, oh là, attendez. Qu'est-ce qu'on va brûler un grippin dans l'eau? Faut dire de base pour avoir envie de brûler un grippin, faut vraiment le vouloir. Bon, des pics, ok. Dis donc, il est pas très original ce niveau solo. Allez, on va. Je suis un peu en manque de vie donc on le prend, c'est bénef. On va à 2 à l'heure, ça m'énerve. Ah, là il y a une, j'allais dire une pilule, n'importe quoi. Genre je suis dans Binding of Isaac quoi. Non, non, il y a une, il y a un boulon, voilà, un boulon. Faut que je me remette les mots en tête. Pour se rentrer dans le bain. Putain, mais genre il y a des mecs qui vont se faire chier à aller à gauche juste pour récupérer une étoile rouge quoi. Voilà, attendez. Je me dis aussi. Ah bah voilà, la fin du niveau, c'est cool. Et le petit piège, non, regardez l'ennemi fourbe là qui nous attend juste à l'entrée. Ah, qu'est-ce que c'est pervers ce jeu. Allez, jeu de fin d'étape. Et ce coup-ci, je le gère. Ah oh, putain, je vais... Eh, mais je vais jamais arriver à atteindre le haut. Ça va toujours me stresser le coup d'atteindre le haut. Quoi. Parce que je voudrais au moins réussir une fois, quoi, histoire de me dire, voilà, je l'ai fait. Le Dazer a atteint le haut de l'étape. Enfin bref. Hein. Allez, on passe à l'étape 3, c'est cool. Ah bon, il me manque un boulon. C'est... Ah, j'ai... Alors, vous avez trouvé 30 sphères d'énergie. Le mini-jeu Tire Boum Boum est maintenant disponible. Le mini-jeu, peut-être que je les ferai à la fin, on verra si vous êtes sage. Parce que bon, ça m'intéresse pas plus que ça, perso, moi, de faire les niveaux. Putain, j'en ai marre des stages dans l'eau, ça m'énerve, je m'en... Oh là. Oh, jolie la vague. Ça m'emmerde les stages dans l'eau, pour tout vous dire. Hop. Voilà, il fera pas chier. Lui non plus, il a un pouvoir de feu, mais en fait, un pouvoir de feu dans l'eau, ça le fait pas trop, tu vois. Oh là, attendez. Putain, non, j'ai envie de me faire chier pour une étoile. J'ai vu l'étoile, je me suis dit, putain, je la veux. En fait, non, ça sert à rien. Qu'est-ce que je me ferais chier? Voilà. Je le sentais bien là. Je me disais, putain, attendez, ça c'est fourbe. J'ai rien, juste focaliser mon pouvoir. Enfin, le mettre de côté. Oh putain, voilà, j'aurais dû me dépêcher. Qu'est-ce que c'est que ça, le marteau? Ben, c'est cool. Même si je suppose que s'il est là, c'est pas pour rien. J'ai un peu peur de rater un truc du coup. Oh là, oh là, oh, oh, c'est pas cool ça. Non, oh pff, putain, mon marteau. Oh, ceci dit, j'aurais pu remonter pour le chercher, mais non, la flemme. Pas déconner. Je ne suis pas de ce genre de personne qui retourne chercher les trucs. Oh là. Oh, du calme. Pervers de foutre des pics là, mais bon. Oh là, oh là, attendez, attendez. Voilà. On va attendre pour aller chercher la porte qui est derrière. Je suppose qu'il y a un truc dedans si elle est là. Oh, joli Kirby qui rentre dans le décor. Alors attendez, ça sent le piège fourbe. Bon, remarque, je peux faire grand chose.
Comment faire? Ah ok, je vois le genre. Ok, faut bien viser en fait. Bon, on va essayer d'être actif. Tout ça pour une vie qu'en plus j'en ai rien à branler, je me dis moi-même ouvertement. Bon bah, tu penses ça de plus, j'ai envie de dire. Pourquoi pas? Hop. Petit passage censé être serré. Bon, je dis ça et je me le prends un pic. Hein. Je suis fort. Moi, je suis pas rapide donc je passe par en dessous. J'ai voulu rusher mais non, non c'est pas une bonne idée de rusher. Putain, je suis passé par en dessous, je suis pour des étoiles à la con. Rien à branler moi, putain merde. Ah, là, je sens qu'il y a un truc. Oui je le sens, hein. J'ai un holographe pour chien. Okay. Allez monte plus vite. Voilà. Okay. Attendez, alors je suppose qu'on peut, si on gère bien, réussir. Allez sors de l'eau. Putain les enculés. Ah ok, ça c'est ça. Les chemins justement d'étoiles, c'est pour nous faire comprendre justement que ça passait à droite, à gauche. Du coup j'ai peut-être pris le bon chemin, je suis pas sûr. En tout cas là j'ai une rue d'étoiles, c'est cool. Tranquille. Attendez, par contre j'ai un coup de lag. Voilà, il est passé. Oh bah nickel, apparemment j'ai pris le bon chemin. Voilà, c'était pas bien dur hein. Comme quoi le hasard parfois peut bien faire les choses. Putain, attends, me dis pas qu'il faut forcément l'avaler pour cracher. Un système à la con. Oh non non. Putain, enculé de Kirby. Tout ça pour un truc que je suis full alors. On va l'emmener avec nous. J'ai toujours pas... Oh là, dans ta gueule. Putain, tout ça pour ça quoi. Aïe, enculé pour repère ce que je venais de gagner, mais bâtard. Enfoiré de pouvoir, voilà, pagne communiste. Ah, je rush. Oui, le laser est un rusher de nature. Ah, ça sent le boss là, même ça pue le boss. Ah, j'ai fait vachement mal, dis-moi. Allez, qu'est-ce qui branle Kirby là? Il y a eu un bug. Je sais pas si tu as vu, j'étais bloqué à droite. Tiens, tiens, et tiens. Voilà, c'est bien dur le boss. Donc, je suppose qu'il faut que je prenne son pouvoir parce que je vais en avoir besoin. Ça me paraît logique maintenant ce genre de choses. Même si ça me fait un peu chier de prendre un pouvoir de roche. Parce que je déteste ce pouvoir, hein, sincèrement. Parmi les Kirby, c'est un des pouvoirs qui me fait sûrement le plus chier. Bon, je crois que j'ai raté un truc à gauche, mais pas grave, j'ai même pas envie de me faire chier à récupérer. Voilà, j'ai juste envie de rusher ce niveau. Non, moi les niveaux dans l'eau, je vous le dis, c'est pas mon trip. Ok, je crois que si j'ai bien visité le machin, c'est la suite droite qu'il faut prendre. Hop. Oh là. Ah, la transformation, c'était les alliés de Kirby. Merde, comment ça s'appelle déjà? Kirby Dreamland 3. Putain mais les vies on en a à foison dans le jeu, c'est trop simple. Voilà, allez, est-ce que je vais avoir le boulon? Oui, nickel, bah, fallait prendre celui le plus à droite. Hein. Tout simple. Fallait avoir une bonne vue aussi au passage. Hein. Et donc faut considérer que je fais la moitié du niveau vu que j'ai la moitié de... Enfin pas la moitié mais je suis... vu que j'ai le truc du milieu, ça veut dire que je fais la moitié du niveau à peu près. Hop. Oh je veux l'épée, je veux l'épée. Non putain. On va pas me faire chier là. Tiens, je veux me transformer en pierre. Hein? Oh, apparemment il y a un pouvoir avec la pierre que j'ai pas tilté. On va voir ça, attendez, attendez. Dès que je sors de l'eau, on va vérifier ça. Mais je crois que j'ai le pouvoir de lancer des pierres ou une connerie comme ça. Parce que j'ai vu Kirby faire un truc bizarre. Ouais, regardez, je peux donner un coup de poing. Putain, la classe. Et puis le coup du coup de poing, j'avais pas tilté. Oh là! Ah,
Attendez, mais j'ai un temps de latence là. Ah non, putain, qu'est-ce que c'est? Oh là, c'est quoi ça? Ah non, c'était ok, c'était une grosse étoile. Je pensais que c'était un pouvoir. Je me suis dit, merde, j'ai raté un pouvoir. Mais non, en plus, je l'ai récupéré l'étoile, donc c'est cool. Qu'est-ce que. Ah, un super pouvoir. On l'avait déjà eu, il me semble, celui du feu. Mais bon, on va Dragon Fall. C'est toujours ça, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y a une dimension interdimensionnelle, la mort qui tue, qui est pas loin. Le truc que tu sais, mais dès que j'ai vu le monstre et que j'ai vu fermer la bouche, j'ai grillé direct quoi. Le truc pas du tout compréhensible. On dirait balance un Kamehameha de dragon quoi. Ouais, je vois bien. Même on n'en parle plus des monstres. En fait, c'est chiant, mine de rien, ce passage avec les pouvoirs comme ça. L'idée de base est bien. Mais vu que c'est hyper scripté et qu'on doit juste tout le temps utiliser les pouvoirs toutes les deux secondes, bah voilà, c'est trop simple, tu comprends ce qu'il faut venir direct. Juste utiliser le pouvoir. Pas bien compliqué. C'est un peu dommage de rendre le truc aussi simple. Ah, là, je me place bien. Voilà, et ça passe. Ah mais non, merde, il y avait le truc en haut, j'avais pas vu. Bon bah, en plus il y a sûrement la faille derrière, ça sent la faille mais à plein nez. Ah non, moi je me suis trompé. Oula oula, du calme, pas mourir. Quel... Oh merde, oh non c'est bon, j'ai eu peur pour l'instant, mais mince. Quel boulet, je suis trop bas. Parce qu'il faut bien se placer mine de rien, c'est pas... Voilà. Bon là on craint rien. Faut que je me grouille parce que là le pouvoir est et... Oh là, à cette allure là j'ai pas réussi à... Voilà, à finir le stage. Mais en fait c'est des tonneaux qu'ils ont de la bouche, je pensais que c'était des sortes de totems ou je sais pas quoi, mais non ils ont des tonneaux de la bouche. Un peu con hein. Qu'est-ce qu'il branle avec des tonneaux de la bouche? Ok. Bon là je sais pas si je peux le faire passer ouvert. Là. Maintenant. Pas bien compliqué. C'est bon, t'es mort? Cool. Et voilà ma feuille. Wouh. On pénètre la tranchure. Oh, les gratinures. Oh là, on court surtout. J'avais oublié ce détail. Cassez-vous! Bon, il suffit d'aller à droite. Hein. En fait, c'est bien, tu gardes un bouton appuyé, puis c'est bon. Hein, hop, hop, hop. Nickel. Oh, oh, non, non, mais casse-toi, putain! Merde, là, voilà. On aspire. Voilà. J'aurais peut-être dû l'envoyer à droite en fait. Là. Oh non, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Attendez, mais. Ok, d'accord, pas de panique. Par le bas. Oh là, vite, vite, vite! Putain, comme ça! Eh, mais faut tilter, hein, putain, faut être actif! Allez, ils deviennent un peu complexes les stages comme ça. Laissez-moi passer, bande de cons! Y'a quoi là? Oh c'est bon, y'a que ça. Rien à branler putain, mais qu'est-ce qu'ils nous foutent des trucs à la con là à la fin? Alors du coup on a quoi? C'est quoi ça? Ninja. Ah c'est lancé. Oh putain merde, on se bat avec une lance. Mais c'est trop bien. Mais c'est une lance. Mais ça rox. Mais c'est épique. Putain je le garde. Ce que je veux voir apparemment, voilà. Là y'a le sol. Ça fait quoi quand je pars? Mais ça rocks, je vole! Je vole avec une lance, putain, mais c'est trop bien! Ah, ce pouvoir il rocks! Ah, et par contre, on est pas massif pour voler, c'est bon à savoir. Mais c'est cheaté par contre, hein. Ouf! J'ai eu du vol parce que j'ai eu la frame d'invincibilité quand je me transformais. Casse-toi. Voilà, il faut peut-être se mener, c'est pas bon. Bon, encore un boss relativement simple. Surtout avec ce pouvoir cheaté là. Mais il est épique, ce pouvoir il déchire. Ah mais je le lâche plus là, laisse tomber. Ah merde, mais là les nouveaux pouvoirs ils ont géré. Hein. Je sais pas où ils ont eu les idées, mais en tout cas, le coup de la lance là j'aime bien. Yeah. Putain mais non, mais je kiffe.
putain, il a une lance. On peut la lancer, on peut. Bon, en même temps, c'est une lance, c'est un peu normal. Un peu con ce que je dis là. Allez, je vais de fin d'étape. Là, je gère. Oh là, je le sens bien. Bon, en fait, j'ai dit de la merde. Ah, mais je vais jamais la voir, c'est horrible. Ding. Oh, des petites étoiles. C'est très gay tout ça quand même. Ok, bien. Donc les stages ils viennent grands hein, pour un. Mais, enfin, je veux dire, les mondes ils viennent grands pour un rien. Regardez, devoir faire le tour à la con là. Allez, c'est le dernier avant le boss. On va essayer de garder notre pouvoir parce que là j'ai pas envie de le changer, je le kiffe. En plus, ils utilisent solo et ça c'est pas donné à tous les pouvoirs. En même temps, les pouvoirs d'armes comme ça, généralement ils s'utilisent solo donc c'est cool. Elle est sympa la musique ici, on l'a déjà entendu mais je sais pas, je la trouve tranquille. Petite musique calme de genre IPD. Me suis pas toi, voilà. Je vais montrer pourquoi fallait pas me suivre. Qu'est-ce que ça a bien pu faire? Oh là, oh, je vais me faire un. Non, aïe, je lui demande. Aïe, mais putain, je me les prends tous. Voilà. Là, y a une porte. Putain, je sais pas qui c'est qui a mis le mécanisme là, mais tant mieux. Alors. Dommage qu'on soit pas aspiré vers la droite, ça m'aurait rappelé un passage de Sonic 3, si je dis pas de bêtises. Ou Sonic 2, je sais pas. Sonic 3, putain, il était excellent ce Sonic. Hop, passage à droite, enfin à gauche, pardon, mais je m'en branle. Oh là, 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 là, mais pourquoi je dis tout le temps là? Allez, on va passer par oh là-haut. Putain, hein, ta gueule avec les oh là. Je me dis ta gueule à moi-même. L'épée elle va se faire foutre. Si, en plus c'est un peu le cas de le dire, l'épée va se faire foutre quoi, mais c'est le cas. Merde, j'aime autant win. Alors attendez, qu'est-ce que... Deux choix. Ah. Je suppose qu'il faut surtout pas que... Ah merde, quel con. Alors... Oh, putain, le boulet, je vous explique mon problème, je voulais taper les ennemis sans toucher le truc, mais comme con j'ai oublié que l'épée... Enfin je veux dire, ce qu'on a ça peut les toucher. Ah putain, non. Non, ne venez pas. Hein? Il active pas mais... Mais c'est boulet. Mais j'ai qu'à activer le truc avant, je suis bête. Voilà, et ensuite j'active le machin. Putain, c'est tout con. Que je suis bête. Je me prenais la tête à les tuer pour rien quoi. Oh là, non, 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 non. Oh putain. J'ai appuyé vers le haut sans le vouloir. Voilà. Et du coup, je peux y aller tranquille. Et je récupère la première sphère, enfin le premier boulon sphère, ou tout ce que vous voulez, mais je le récupère, rien à foutre. Allez, on va à droite. Voilà. Ouais, cassez-vous les poiscailles. Ah, c'est poisson. Oh, ils sont rentrés au jeu d'en manger. Le mec, il prononce même pas bien le mot intelligent, quoi. Ouais, à la limite, ça, je peux l'activer quand je suis loin. Même si j'en ai un peu rien à foutre. Genre, je le prends alors que je dis que j'en ai rien à foutre. Aïe, mais non, 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 non. Putain, non, mon hallebarde. Enfin, ma lance. C'est pas une hallebarde. C'est pas une hallebarde, c'était une lance. Là, je suis deg. Ah, je kiffe ce pouvoir, la lance. Je crois que là, c'est mon pouvoir préféré pour le coup. Bien sympa. Casse-toi, le poiscaille, putain. D'ailleurs, en parlant de poisson, je sais pas si vous avez déjà mangé des filets de macro, mais miam, c'est délicieux. En fait, je crois que j'aime vraiment dans le filet de macro, c'est le fait que ce soit autant citronné. S'il y avait des filets de macro pas citronnés, j'aimerais pas. Oui, après, ça dépend des macros, mais je sais qu'il y en a des justement où dans la marque ils citronnent à mort quoi. Le citron, tu le ressens. Hein. Ah, mais ouais, quand t'as le pouvoir de l'eau, la bulle elle va plus loin. Ah, bah au moins il est bloqué quoi. Je ne te tuerai pas, je suis quelqu'un de généreux, un peu comme les hippies. Sur cela, si tu nous entends, j'espère que tu passes un bon déménagement. On a plus de nouvelles de toi que tu peux plus déménager. Hop, allez, on va aller de la porte. Qu'est-ce que c'est? Ah, un truc d'invincibilité. C'est cool, mais ça me servait à rien. Là. Ok, bon. Je suppose qu'il y a une utilité quand même. Un passage. S'il y a un passage, c'est obligé. Ah ouais, bien caché, mais il y en avait un. Et maintenant je vois à quoi il sert la massivité. Allez! Putain, je tournais autour de la boule quoi. Ça me foutait les boules hein. Allez, on y va.
Enfin, du moins qu'on finisse ce monde de merde, là, les stages dans l'eau, moi ça me casse les couilles. Parce que c'est lent, c'est mou, c'est ennuyeux. Voilà. Oula oula. Ouais, c'est quoi ça? Ah, c'est la hallebarde. Ah, la hallebarde, c'est la lance, putain, pas la hallebarde. Non. Ouf. Pas me faire toucher, hein, pas maintenant. Hop, ça se active, je suppose. Oula, attendez, on va se grouiller là. Putain, mais non, faut vraiment en premier, enculé. Là, je rush, hein. Là, je rush. Là. Je suis Rushman. Putain, mais c'est hyper simple en fait. Un peu casualisé ce Kirby, je peux dire. J'espère qu'il devient vraiment plus dur plus tard, d'après ce qu'on m'a dit. Là, pour le moment, j'ai pas trop d'espoir, donc c'est bon, jamais. Putain, grouille, grouille, grouille. Allez hop, on rush. Y'a quoi en bas? Oh, y'a que dalle, on a rien à branler. Oh, quand t'as la lance, c'est un bonheur. Je sens qu'il y a un truc à droite. Non, 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 putain, le piège. Ok, je comprends maintenant pourquoi il fallait attendre en bas. Oh bah, j'ai raté un truc à droite. Et apparemment, c'était sûrement une faille dimensionnelle ou un truc dans le genre. Ou dans tous les cas, c'était obligatoirement une. Merde, comment ça s'appelle? Une pièce boulon. Hein. C'était sûr et certain ça. Merde, ça se sent à un mètre. Oh, cool! Je savais pas qu'on pouvait faire ça avec la lance. On tombait directement en empalant l'ennemi. C'est quoi ce truc? Putain, ça me fait flipper. C'est une bombe. Ah, c'est bon. Bon bah, je sais pas s'il y a un truc à faire péter au bout ou on va retourner la chercher. En fait je me fais chier pour rien, j'ai qu'à buter les ennemis quoi. Est-ce que je peux l'avoir de là? Ouais non ok. Quoique. Enfin, si je me mets là. Ouais non. C'est pas ce que je pensais, dommage. Allez on rush. Je la kiffe la musique ici, putain. Allez! Voilà. Putain, grossi, mais rien de ses vitesses. Casse-toi! Nickel. Putain, tout ça pour une vie, mais j'en ai rien à branler, moi, des vies! Je comprends pas ça. En plus, je les perds toutes après dès que j'arrive au bout de la canchole. Non! Mon pouvoir! Non, non, putain! Ah, fuck! Motherfucker! Oh là, oh là, oh là, oh là là. Elle va me péter les mains, elle va me péter les mains. Elle me pète dans les mains. Oh fuck, laisse tomber. Tout ça pourquoi? Bon, pour un boulon, rien à branler. En même temps, je me doute que c'est un pour un boulon qu'on doit se faire chier comme ça. Allez, je suppose que là, c'est à peu près la fin du niveau, non? Ah non. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, une anguille. Une anguille qui a une grosse forme de pénis, mon cher. Oh là là, l'anguille géante. Putain, ça sonne une grosse. Qu'est-ce qu'elle est grosse! Oh! Imagine le mec. L'anguille, hein, l'anguille. Alors lui, est-ce qu'il y a un pouvoir? Ah! Mais c'est lui les lances! Ok, putain! Ah, si j'avais su, je l'aurais fait chaud plus tôt. Hein. Oula! Je peux leur faire mal aux anguilles? Ah non. Ça a l'air d'être un putain de labyrinthe d'anguille ce truc. Oula. Putain, tout ça pour des étoiles, mais je m'en branle de leur. Aïe, de leurs étoiles. Donc ça peut être une bonne plante contre les anguilles. Ah bon. Ah, du lait. Mais bien sûr, dans Kirby, on boit du lait, attention, on est quelqu'un de civilisé. Allez, là je gère, attention. On attend bien la fin. Maintenant! Ok, j'ai vraiment pas géré là en fait. Je pense qu'il faut appuyer quand c'est bien violet, mais. Je gère pas, je gère pas. Étape 4, c'est fait. Wouh! Je suppose que là ça va être le boss. J'ai hâte de l'affronter. Yeah, le boss de l'étape. Je vais récupérer 35. J'espère qu'il y a écrit 35 et pas 34. Sphère d'énergie. Le défi super chaud est maintenant disponible. Génial, mais je n'aime pas le fort du super saut, je m'en branle. Bon bah on est parti pour le boss, hein, quelque chose vous des de plus.
T'as fait genre, c'est tadadadan. Le truc là, avec des requins. Bon bah c'est cool, j'ai déjà le pouvoir que je veux. Attention, la mer n'est jamais propre. Elle peut être salie par n'importe quel animal ou spécimen. Qui sait ce qui nous attend? Ah, déjà on se bat pas dans l'eau, c'est une bonne chose. À moins qu'il fasse apparaître de l'eau sur le terrain au bout du temps. Parfois ça arrive dans les boss, hein, ils peuvent faire apparaître de l'eau. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Putain merde! C'est quoi ce machin? Gradus. Oh, je fais pas beaucoup mal. Ok, là il saute. On va essayer d'apprendre un petit peu son pattern. Oh là, oh, du calme. Attendez, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il saute. Je suis un peu concentré dans le boss, mine de rien. Oh, attendez, mais comment j'évite ça? Ok, bah je l'ai évité. On lui prend des dégâts en le tapant, mais c'est pas bien grave. Hein. Voilà, il est battu. Putain, mais c'est une grosse merde. En plus, c'est le cas de le dire. Putain, c'est vraiment une grosse merde. Bon, bah, on peut y aller. Hein. Voilà. Bon, il était pas bien dur. Hein. Il y avait juste à se pas mettre dans le tas et ça passait tout seul. Hein. Putain, je comprends pas pourquoi Misa et Nagam ont dit que c'était dur. Hein. Je sais pas, je m'attendais à ce que ça devienne dur vite, mais... Je commence à me dire que c'est juste eux qui jouent mal, quoi, j'ai peur. Parle de Misa, quand même. Putain, oui, ça peut être que eux qui jouent mal. Ils ont perdu à Kirby, quoi. À Kirby. Tu je dis ça à la fin du jeu, là, on me dit, oh, putain, c'est trop dur. Et je me repasserai ce passage de ma vie. Ils ont perdu à Kirby, quoi. Dans la même intonation et tout. Donc bon, sur ce, on récupère l'aile gauche. Il nous montre même comment il la met hein, alors qu'il nous a déjà montré avec la droite. En fait c'est la scène pour l'aile droite, mais inversée avec la version gauche quoi. Yeah. Alors qu'est-ce qu'il va nous dire l'autre espèce de zigzagouin là? Oui ça ne veut rien dire et je vous emmerde. Heureux de te revoir Kirby, avec l'aile gauche en place, le navire est déjà meilleure allure. Il retrouve peu à peu son apparence d'origine, trouve les deux dernières pièces et le galéon nerf pourra voler à nouveau. Yeah, continue comme ça Kirby, je te fais confiance, en même temps tout le monde me fait confiance connard. Qu'est-ce que tu crois? Du coup, notre prochaine destination... Attends, on peut tuer les papillons? Non dommage, on peut pas. Hop, du coup, on va sur les cartes du monde. Oui! Ah, apparemment le prochain monde ce sera un monde de glace, c'est cool. La falaise frissonnante. Ah. Ah ouais. On a combien à 30 minutes écoutez. Oh bah sur ce, je nous fais une bonne petite vidéo, on aura bien rushé ce monde là. Hein. Donc on va s'arrêter là, bah écoutez sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis salut à tous et à la prochaine pour une prochaine vidéo de Kirby Retour au pays des rêves, voilà. Même si le titre est quand même relativement con vu que le pays des rêves on y est déjà. Voilà voilà. Salut tout le monde.